Hier et aujourd'hui encore, d'ailleurs, l'association Liloas Tiendukua propose une rencontre exceptionnelle avec les Indiens Kogis, un peuple racine précolombien, le dernier du genre encore existant aujourd'hui. Deux d'entre eux sont actuellement en voyage en France pour aller à la rencontre de notre civilisation et échanger avec nous sur deux visions du monde aujourd'hui radicalement différentes. Deux conférences débats étaient organisées ainsi hier à l'Université catholique de Lille et une autre rencontre aura lieu cet après-midi au Furet du Nord. Une manière très simple mais efficace d'ouvrir les yeux sur les dérives du monde occidental, très éloignées du but premier de la vie selon les Indiens Kogis et qui seront donc cet après-midi au Furet. Ce matin, en attendant sur Grand Lille TV, écoutez quelques personnes présentes hier lors de ces conférences au micro de Jimmy Hutchon. Je trouvais ça très intéressant parce que je ne connaissais pas du tout ce genre de, entre guillemets, communauté. On en apprend beaucoup, ça donne envie de s'y intéresser un peu plus quand même. Ouais, je trouve ça super intéressant dans le sens où c'est vraiment une culture qu'on connaît pas du tout et de voir la différence en fait entre nos civilisations et la leur, et puis ça permet de se remettre en question, de voir qu'on a peut-être pas toujours raison et que finalement il y a beaucoup de choses à apprendre de l'extérieur.